public. Je voudrais commencer par vous présenter des excuses. Nous avons accusé une petite déchirure de l'État qui est en train de prendre disposition par ailleurs. Le micro là, il faut le laisser. Voilà. Non, ce texte-là sera envoyé dans vos services disponibles tout à l'heure. Ah, Bladron, le son va aller dans vos boîtes. Bon, on a la même bordée. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, sans surprise, le ministre chargé des élections a rendu public les résultats, entre guillemets, provisoire du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce sont leurs résultats. Ils ne reflètent pas la vérité des urnes. Ils ne reflètent pas le vote des Maliens. Ces résultats publiés par le camp du président sortant résultent d'un trucage monstrueux, d'une manipulation du suffrage des Maliens, d'un bourrage d'une autre époque, comme vous allez le voir sous l'élément vidéo que nous allons rediffuser, que nous avons diffusé ici hier soir, et vous allez le voir tout à l'heure. Le 12 août est un jour noir pour le Mali. Ces élections sont un recul de la démocratie. Un jour triste pour un peuple qui a payé le prix fort pour l'avènement de la démocratie, afin que ses choix soient respectés. Ibrahim Aboubakar Keïta, Soumery Boubou Maïga, les martyrs de la révolution démocratique couchés au cimetière de Nyarela se retournent dans leur tombe. Ils vous observent. Ils observent vos résultats, vos élections, ils observent vos élections. Le régime a tout entrepris pour obtenir les résultats annoncés ce matin. Instrumentalisation de l'administration, achat de conscience, bourrage d'urnes, falsification des résultats issus des urnes, attaque de notre système de compilation de résultats. Interpellation de 5 collaborateurs de Smart Media, agence de communication de notre campagne. Confiscation d'ordinateurs et de téléphones portables. Arrestation, torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant infligé à Abel Kwasi Konan, collaborateur de Smart Media. Menace et intimidation contre plusieurs partisans de Soumaïla Cissé. Encerclement ce matin du domicile du directeur de Smart Media. En somme, rien n'a été épargné par les tenants du régime pour détourner le vote des Maliens. Nous lançons un vibrant appel à la mobilisation citoyenne pour exercer une pression populaire pacifique et démocratique afin de faire respecter le vote des Maliens. Soumaïla Cissé s'adressera au peuple malien demain, vendredi 17 août, dans l'après-midi. L'heure et le lieu vous seront précis par la suite. Je vous remercie beaucoup. La victoire ! La victoire ! La victoire !
Soumaïla, président, 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 Soumaïla, Ça va, 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 ça va,